Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. بسم الله. بسم الله والصلاة. والسلام, والسلام, والسلام. على, على رسول الله, الله. اللهم افتح لي. Abouba, Rahmatik. Rahmatik. Donc les enfants, je suis très content de vous voir aujourd'hui. Et comme vous le savez, nous sommes dans le mois de Ramadan. dans le mois de, Ramadan. Dans, le mois de Ramadan. dans le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est le mois le plus important de tous les mois, puisqu'Allah tabaraka wa ta'ala il a créé tous les mois. Allah azza wa il a tout créé, et Allah tabaraka wa ta il a choisi que durant certaines périodes, certains mois sont plus importants que d'autres. Et Allah azza wa il a choisi que le mois de Ramadan c'était le mois le plus important le plus grand des mois le mois où il y a le plus de bonnes choses et de mérites alors aujourd'hui nous allons citer quelques points qui vont nous prouver que le mois de ramadan c'est le meilleur des mois c'est lequel le meilleur des mois c'est le mois de c'est le mois de ramadan alors sachez que durant le mois de ramadan allah tabaraka wa ta'ala il a révélé il a descendu son livre il a descendu sa parole comment elle s'appelle la parole d'allah comment il s'appelle le livre d'allah le coran le coran le coran et le fait qu'Allah Ta'ala ta Il a choisi que le Coran il allait être révélé durant le mois de Ramadan, cela nous prouve que le mois de Ramadan est un mois très important. Cela nous prouve que le mois de Ramadan est un mois très important. Également, durant le mois de Ramadan, toutes les nuits du mois de Ramadan, Allah Ta'ala ils sauvent des gens de l'enfer. Ça veut dire que durant toutes les nuits du mois de Ramadan, si je fais des bonnes choses, si je fais des bonnes actions, si je me comporte bien envers Allah, je me comporte bien envers les autres, tels que mes parents, mes frères, mes sœurs, etc. Je peux gagner le fait d'être sauvé, d'être protégé du feu de l'enfer et ça durant toutes les nuits de ramadan oui Anna déjà quand ce serait 13 mai le ramadan serait fini exactement alors inshallah il nous reste encore on va dire à peu près deux semaines avant que le ramadan il se termine ça veut dire qu'il y a déjà la moitié du ramadan qui est partie. il y a déjà la moitié du ramadan qui est qui est parti. Mais le meilleur, Allah Ta'ala, il a gardé le meilleur pour la fin. Le meilleur de Ramadan, c'est la fin. Et bientôt, nous allons rentrer, inshallah dans les dix dernières nuits qui sont les meilleures de toutes les nuits. Parce que durant le mois de Ramadan, on a dit que toutes les nuits, elles étaient importantes. Tous les mois de Ramadan, c'est un mois où Allah wa ta nous fait miséricorde. Mais les dix dernières nuits du mois de Ramadan, ce sont les nuits, les meilleures nuits de toute l'année. Et vous savez ce qu'il y a dans les dix dernières nuits du mois de Ramadan Oui, Safia Alors, le ride, c'est à la fin du Ramadan. C'est plus pendant le mois de Ramadan, le Eid, c'est dans un autre mois qui s'appelle Shawwal. Répétez Shawwal. Shawwal. Dès qu'on arrive le premier jour du nouveau mois de Shawwal, dans ce cas-là, on fera l'Eid, inshallah parce qu'on sera content qu'Allah Ta'ala ta nous a permis, nous a aidés à jeûner et à faire des bonnes actions durant ce mois-là. Mais durant les dix dernières nuits du mois de Ramadan, qu'est-ce qui se passe, oui, Imad « Ya Laylatul Qadr »« Ahsan » répétez laylatu. « Laylatul »« Laylatul »« Al-Qadr »« -qadr. Laylatul Qadr » C'est la meilleure nuit de toute l'année. C'est une nuit déjà, c'est la nuit dans laquelle Allah Ta'ala ta a révélé le Coran. C'est la nuit dans laquelle Allah Azza wa a révélé le et cette nuit, vous savez qu'elle est meilleure. Elle est meilleure que combien de nuits? 360. Que 80 ans. Alors cette nuit, elle est meilleure que mille mois. Mais ça fait combien de nuits, mille mois? Il y, y a combien de nuits dans un mois? Il y a combien de jours dans un mois? Oui. Un mois lunaire, il va avoir. Il va avoir 30 jours. D'accord 30 jours et 30 nuits. Soit 29 ou 30. Mais disons 30. Si tu fais 30 fois 1000, ça fait combien tu, tu mets 30 et tu mets 1000 à côté. Ça fait quel chiffre Oui 000. Pas 3000. 30, 30 000. nuits. Une nuit qui est tout Qadr, elle est meilleure que 30 000 nuits. Jenna, tu as quel âge? Non. Tu as 6 ans. Eh ben, imagine que si tu fais des bonnes actions pendant le mois de Ramadan, pendant le, la, la nuit de tout le Qadr, c'est comme si que tu avais fait des bonnes actions pendant plus de 83 ans. Regardez cette nuit. Comment elle est Moubaraka, c'est une nuit qui est bénite, c'est une nuit qui est bénie. C'est pour cela que durant les nuits du mois de Ramadan, et plus précisément durant les dernières nuits, et plus précisément dans cette nuit-là, je dois faire beaucoup de do'a, je dois faire beaucoup de bonnes actions, je dois faire beaucoup, je dois lire beaucoup le Coran, je dois beaucoup prier, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne vous ai pas entendu, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man ramadan ou, Man celui qui prie durant la, qadr, la nuit de Qadr, Allah Ta'ala ta lui pardonnera tous ses péchés. Également Durant cette nuit, les anges descendent sur terre. Et lorsque les anges descendent sur terre, ils descendent avec la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour nous. Également, durant cette nuit, Allah, subhanahu wa ta'ala, il a décidé que cette nuit était une paix, une préservation contre toutes les mauvaises choses jusqu'au fajr. Oui, Imad? J'ai pas compris. Ah, tu es né pendant la nuit de Laylatul Qadr, c'est ça Mais on sait pas c'est quand Laylatul Qadr. Donc on peut pas dire je suis né pendant Laylatul Qadr, puisque en réalité Laylatul Qadr c'est une nuit qui bouge tout le temps. Cette année elle est comme ceci, l'autre année elle est comme ceci. Nous on sait que c'est une nuit qui est pendant le mois de Ramadan. Ça c'est la première chose. Ensuite on sait qu'elle est, c'est plus probable qu'elle soit dans les dix dernières nuits. Ensuite, on sait que c'est plus probable qu'elle soit dans les nuits impaires. La 21e, ou la 23e, ou la 25e, ou la 27e, ou la 29e. Mais on ne sait pas exactement. Des fois, c'est celle-ci, des fois, c'est celle-là. Donc, on ne peut pas, on, tu ne peux pas être sûr que tu es né durant Laylatul Qadr. Par, par contre, tu peux être sûr que tu es né pendant le mois de Ramadan. Et moi aussi, je suis né pendant le mois de Ramadan. Et tu es né sûrement durant une nuit impaire. Donc ça, tu peux le dire. Je suis né dans les dix dernières nuits. Je suis né pendant une nuit impaire. Je suis né la 27e. Ça, tu peux le savoir. Par contre, on ne peut pas savoir si c'était Laylatul Qadr. Alors, on termine sur ce sujet, les enfants. Encore, on cite quelques mérites du mois de, de, de Ramadan. Et ensuite, on termine la leçon d'aujourd'hui. Laylatul Qadr, euh, le, le mois de Ramadan, pardon. Parmi les mérites du mois de Ramadan, c'est que durant ce mois-là, Allah, tabaraka, wa ta'ala, il nous a demandé de jeûner. Alors, le jeûne, c'est quoi le jeûne? Qui sait c'est quoi le jeûne? Oui, le jeûne, tu peux t'approcher pour qu'on t'entende bien. Voilà, tu te mets juste ici. Alors voilà, on t'écoute. C'est quoi le jeûne? dans la prière jeûne, du Fajr jusqu'au Très bien, alors c'est-à-dire qu'on arrête, on s'abstient de manger, de boire, ça commence au Fajr, très bien, ça commence au Fajr et ça s'arrête au Maghreb. Mais vous, comme vous êtes des enfants, comme vous êtes des enfants, est-ce que vous allez jeûner non. Alors Allah, il ne vous a pas obligé de jeûner. Celui qui veut s'entraîner, c'est très bien. Il faut vous entraîner. Mais moi, je vais vous donner un jeûne que vous devez faire, obligé. Vous êtes obligé de faire un autre jeûne. Vous savez, c'est quoi C'est le jeûne des bêtises. Ben, bah, ça veut dire quoi Ben, bah, les adultes, ils arrêtent de manger, ils arrêtent de boire. Et ben bah, vous, vous allez vous entraîner comment En arrêtant de faire des bêtises, en arrêtant de dire des mauvaises paroles. Parce que le mois de Ramadan, c'est un, Allah il nous enseigne, il nous apprend que durant ce mois-là, je dois éduquer ma personne, éduquer mon cœur, éduquer mon âme pour m'abstenir de faire des péchés, m'abstenir de faire des choses qu'Allah m'a interdit. Donc des fois, il y a des enfants. Qui mentent, est-ce qu'on a le droit de mentir non. Alors on s'entraîne durant le mois de Ramadan comme ça, si je m'entraîne durant le mois de Ramadan, et eh bien toute ma vie je vais réussir à ne pas mentir, à dire des gros mots, est-ce qu'on peut dire des gros mots non. Alors je m'entraîne pendant le mois de Ramadan comme ça, après le mois de Ramadan, j'arrive à ne plus m'énerver, à ne plus dire des gros mots, à ne pas écouter de mauvaises choses ou regarder des mauvaises choses, etc. Parmi les mérites du mois de Ramadan, les enfants, il y a le fait que durant ce mois-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous a Allah azza wa jal, il a enfermé les chayatines, les démons, ils sont enchaînés, ils sont enfermés, ça veut dire que durant le mois de Ramadan, ils ne peuvent pas nous faire du mal comme ils peuvent nous le faire en en dehors du Ramadan. Donc, le mal qu'ils vont faire, il sera très petit, très minime par rapport au mal qu'ils peuvent faire. Également, pendant le mois du Ramadan, Allah Tabaraka Wa Ta'ala, il a ouvert les portes du paradis. Est-ce que vous savez, il y a combien de portes dans le paradis Oui, Safia oui. Il y a huit portes, très très bien. Il y a combien de portes dans le paradis oui. Comment on dit huit en arabe Samania Samania, Samania. Samania. boab. Il y a huit portes du paradis. Et toutes les portes du paradis, elles sont ouvertes. Ça veut dire que durant le mois de Ramadan, je dois faire des bonnes actions pour gagner le. Paradis. Qui connaît le nom d'une porte du paradis Oui, euh, Inaya Firdaus, non Firdaus, c'est le plus haut degré du paradis. Alors il y a une porte qui s'appelle la porte de Rayyan. Répétez, Rayyan. La porte de Rayyan, c'est la porte qui sera réservée pour ceux qui ont jeûné. C'est pour cela que, comme on a dit, vous à votre âge, vous vous entraînez de jeûner, mais sachez qu'Allah il ne vous a pas rendu le jeûne obligatoire. Il faudra attendre que vous soyez pubère, inshallah pour que le jeûne vous sera obligatoire, mais vous vous entraînez. Comme ça, lorsque tu t'entraînes, et eh bien quand tu seras pubère, tu pourras, tu réussiras à jeûner de la meilleure manière. Également, parmi les mérites du mois de Ramadan, les enfants, il y a le fait que, durant le mois de Ramadan, Allah Azza wa a fermé les portes de l'enfer elles sont fermées ça veut dire que pendant le mois de Ramadan je peux gagner le fait qu'Allah Azza me sauvera du feu de l'enfer combien il y a de portes dans l'enfer Nesrin Sept. 7. comment on dit 7 en arabe Mariam ahsan 7 répétez sabah. 7 7 portes il y a sept portes dans l'enfer et les enfants, toutes les nuits du mois de Ramadan, dès que c'est l'heure du Maghreb, dès que c'est la nuit du mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé, il a ordonné à un ange d'appeler. Vous savez qu'est-ce qu'il dit, l'ange Il dit Ya khair akbil. Ô oh, toi qui veux le bien, « Tu veux faire du bien Avance, fais-le. »« Et toi qui veux faire du mal Abstiens-toi, arrête-toi. » Ça veut dire que lorsque arrive la nuit du mois de Ramadan, tu veux faire du bien, fais-le. Tu veux lire le Coran, fais-le. Tu veux lever tes mains pour faire des deux, fais-le. Et si tu veux faire des bêtises, tu veux faire des mauvaises choses, abstiens-toi et arrête de le faire. Donc voilà les enfants, quelques mérites, du mois de Ramadan. Comme cela, vous allez comprendre l'importance du mois de Ramadan et ça veut dire que je ne dois pas vivre pendant le mois de Ramadan comme si je vivais un autre mois. Je dois profiter de faire des bonnes actions. Je dois profiter d'essayer d'arrêter de faire mes péchés. Et parmi les bonnes actions que vous pouvez faire, eh bien, réciter le Coran plus que d'habitude. Répétez le Coran Tu connais la Fatiha, tu la répètes plusieurs fois avec toutes les sourates que tu connais. Tu les récites également. Tu lèves tes mains et tu fais beaucoup de dua. Tu lèves tes mains et tu fais beaucoup de de dua. Et les meilleurs dua que tu peux faire, c'est les dua que disait le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam Je vais vous en apprendre une. Apprenez-la. Retenez-la. Et citez-la tous les jours et tous les soirs. Vous répétez après moi. Allahumma Allah. Rabbana. Rabbana. Atina. Fidunya. Hassana Hasana. Wafil achirati. Hassana Hasana. Wakina. Rabbana, Atina, Fidunia, Hasana, Wafil Achirati, Hasana, Wachina, Adabanar. Si tu dis cette invocation, Allah Jal te donnera tout ce que tu veux, même ce que tu veux pas, Allah il va te donner toutes les bonnes choses dans cette vie et toutes les bonnes choses dans l'au-delà et il te, préserve, il te préservera du châtiment de l'enfer.